convidados musicais que nos vão interpretar o segundo tema. São eles Boulou e Elios Ferré para interpretarem Bill. Já de seguida. Mais uma vez, bom dia. Thank you.
Bonjour. Temos connosco ao longo deste programa a presença de Boulou e Helios Ferré, uma dupla de guitarristas de jazz. Estiveram ontem no Porto, vamos saber qual a reação e também qual o motivo da sua presença em Portugal. Je crois que c'est la deuxième fois que vous êtes en Portugal. Oui, nous sommes passés l'année dernière à faire une tournée à travers tout le Portugal, Porto, Lisbonne, Viana do Castelo, Braga, tout ça, et c'était une expérience formidable, c'était magnifique au niveau de culture. En plus, avec notre culture gitane, on a retrouvé des similitudes avec la musique portugaise, la guitare portugaise, enfin c'est fabuleux. Et là, nous revenons une deuxième fois, nous refaisons un comeback, et c'est un grand plaisir pour nous, parce que l'année dernière, nous avons joué en duo, Helios et moi, et là, nous jouons la culture française avec une équipe portugaise. Et ça, c'est très bien, parce qu'il y a un... Avec très personnes, très musiciens très importants. Oui, et là, j'étais très étonné, parce que... Bon, je savais qu'au Portugal, il y avait des musiciens de jazz, de bons musiciens, mais là, j'étais vraiment surpris, et agréablement surpris. Há naturalmente uma boa reação da parte do público português, vamos já saber. De qualquer forma, esta segunda vez em Portugal tem um pouco a ver com o seu fascínio pelas guitarras portuguesas também e, de alguma forma, com a sua presença, que isso justifica, quer em Braga, que vai ser hoje à noite, amanhã em Lisboa e ontem foi no Porto. Portanto, esta aproximação que, de alguma forma, também há uma diferença em relação à primeira vez, que tocaram unicamente os dois, agora são eles os dois mais três músicos importantes do Porto. Dans ce qui concerne la réaction du public hier en Porto, alors, quel résultat? Bah, disons que c'est la fête tous les soirs. C'est la musique avant tout, et puis avec un contact humain et musical terrible. Donc, c'est ce qu'il faut, je crois. Il y a une grande différence dans ce qui concerne maintenant et avant de la première fois. Non, je ne crois pas qu'il y ait une... Surtout pour les yeux. Oui, je ne crois même pas. Non, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence. Je crois que c'est une continuité de l'ouverture que nous avons effectuée au Portugal l'année dernière. Sauf que là, comme je vous ai dit, c'est avec mon nouveau quintet. Et c'est très intéressant parce que d'abord, le public qui est venu dans tous les concerts comme les Îles Açores, y compris le concert d'hier à Porto, était un peu le même public de l'année dernière. Et ils ont écouté une musique qui était différente de l'an passé, mais avec une continuité avec le quintet. Et c'est ça qui est intéressant. Alors avant, c'est la musique folklorique Suvier, et maintenant c'est Charlie Parc, je crois. Oui, parce que ce que nous aimons dans la musique, c'est quelque chose un peu de démocratique, quelque chose d'ouvert. Voilà, absolument, absolument, complètement démocratique, complètement ouvert. Et je crois que ce qui est important, c'est de... La musique, c'est un peu comme une cuisine, c'est de proposer ce qui est au menu. Dans notre menu, il y a la musique contemporaine, il y a des choses comme Stravinsky, Olivier Messiaen, Bartok, et aussi le jazz, le bebop de Charlie Parker jusqu'à la musique à Django, et en passant aussi par la musique gypsy et tzigane. Et Dizzy Gillespie. Ah oui, c'est très important. Et là, vous avez entendu dans les premiers et deuxièmes morceaux des compositions que j'ai ramenées d'Union soviétique, qui sont des morceaux... russe, mais d'inspiration de jazz qu'on joue à Leningrad, comme le premier morceau qui s'intitule Les fenêtres de Moscou, et une autre valse qui s'intitule Bill. Et là, vous venez d'entendre une composition de Donnelly, qui est de Charlie Parker. Ouvimos ao longo deste programa ainda os temas relacionados com jazz, inspirados em jazz unicamente, mas de alguma inspiração também, dada a sua experiência e pluralidade com jazz russo, inspiração russa. Em relação à questão anterior, há de alguma forma uma certa continuidade em relação ao primeiro espetáculo e a este segundo espetáculo? Sais-tu? A tout à l'heure, et je crois que c'est bon pour nous, votre présence. A tout à l'heure, merci beaucoup. Bonne chance. Thank you.
Thank you.